Audrey, bonjour Maria, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Allô, c'est Marvel Chétif à l'appareil. Donc on va faire un unboxing de ma brosse à dents électrique. Je vais chercher le cutter. Écoutez, je suis allé à Lidl. C'était en promo. Alors j'ai hésité parce que il y avait le Oral-B qui était vendu 12€ et c'était le truc Star Wars, mais il n'y avait que seul, alors que là c'était 14€ avec une brossette, sachant que les brossettes sont compatibles Oral-B, donc si jamais je suis pas satisfait de la qualité, et en plus j'ai racheté pour 5€ 6 rechanges. Donc là je suis blindé, donc voilà, unboxing, les règles de l'art. Alors au sujet des reviews de merde, celle que j'ai faite depuis décembre, donc entre décembre et avril, et la notice bien sûr, ont été réalisées en décembre, ce qui fait que j'ai pas joué aux jeux vidéo depuis décembre. Donc là, j'ai pas envie de spécialement de jouer aux jeux vidéo, donc ça va peut-être prendre du temps à ce que je fasse de nouvelles reviews. Alors, on a quoi? On a le kit 2000. Il y a de la poussière. Ah non. Pour truc de voyage, donc c'est en plus. Là, c'est comme la Switch. Il y a le kit de voyage, sauf que là c'est inclus avec. On a bien sûr les 8 brossettes de base. Donc je vous les montre. Elles sont encore sous blister. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y en a 8. J'ai vu les prix des Oral-B quand on s'achète des brossettes, c'est je crois 11€ les 4, un truc comme ça. Ensuite, on a la fameuse brosse à dents électrique. On a bien sûr le kit truc de chargement qui peut bien sûr s'accrocher au mur. Et donc, ben, je suis entièrement satisfait de mon achat pour 15€, 20€ on va dire, et 20€ avec 14 brossettes d'avance. Donc j'en ai pour longtemps. Je sais pas combien dure une brossette, mais pour ce prix. Voilà, donc je vous montre un petit peu la notice. On est dans l'unboxing. Service après. Donc Lidl, très bonne qualité. Hein. Toujours. Au début, on pourrait se moquer, dire c'est des trucs de merde, mais en fait non. Les sous-marques comme ça, je suis toujours très satisfait de la qualité. Pour le coup, n'est pas de la qualité Henkel. Sur ce, ben, c'était l'unboxing de Nevadent Professional Care, brosse à dents électrique pour nettoyer efficacement les dents. Et les gencives. Voilà. C'était un unboxing. Ça aussi, il est encore sous blister. Pour vous dire que je joue pas aux jeux vidéo parce que j'ai plein de jeux là qui sont encore sous blister. J'ai acheté bien sûr pas cher la Capcom 2 Infinite Special Edition. Il était vendu à 5€. C'est pour ça que je l'ai pris. Dès que c'est pas cher, 5€. Complet. Voilà. Ciao Pipito. Plus mes puces et je vous porte ma tronche. Pardon, j'ai aussi acheté des boxeurs, c'était 5€ les deux. Alors j'ai pris taille M. Je sais pas s'il fallait prendre L. S, je suis un peu trop serré, mais après ça va. Contrôle qualité. Si vous voulez, on peut les débister, hein. C'est pas de problème là-dessus. Et je peux vous dire bon ça va, je pense que ça va rentrer, mais si ça rentre pas, ben écoutez, il faudra forcer, mais à mon avis il devrait trouver sa place. T'es beau gosse Stéphane Escher là.